un giorno ancora sono nel dolore,
Bien-aimés frères et sœurs, je vous souhaite fraternellement à tous les bienvenus cet après-midi. Je suis convaincu que le Seigneur nous bénira tous. Nous avons entendu des cantiques en italien. C'était des jeunes qui étaient à Lausbourg, la réunion des jeunes. À vous, les jeunes, nous voulons vous dire merci. Mais aussi nous, nous voulons aujourd'hui louer et exalter le Seigneur. Et nous voulons ensemble chanter le cantique 229. Cantique 229. Sauvé par le sang de l'agneau. Par sa miséricorde éternelle, comme je suis heureux auprès de Jésus. Sauvé, sauvé, sauvé par le sang de l'agneau. Sauvé. Je suis heureux auprès de Jésus. Sauvé, racheté en Jésus. Je ne trouve pas de mots pour l'exprimer. Comme sa présence céleste est merveilleuse pour moi. Comme grand est son amour pour moi.
sauvé. Comme je suis heureux auprès de Jésus. Sauvé par le sang de Jésus. Sauvé par le sang de l'agneau. Nous sommes rachetés par le sang de l'agneau. Tout à l'heure, j'ai oublié de saluer quelqu'un. Je voudrais aussi saluer tous ceux qui sont en ligne. Et aussi vous, souhaitez les riches bénédictions de Dieu. Et derrière, notre frère Étienne Genton traduit les frères et sœurs de l'Italie. Nous voulons lui souhaiter la bienvenue parmi nous. Et je veux, pour les jeunes, vous voyez un jeune guitariste, pianiste, il y a une chaise vide et ce serait bien si un jeune peut jouer la guitare. Et qu'un jeune se sente libre. Le deuxième cantique, nous voulons chanter 250, le cantique 250. Depuis que Jésus habite dans mon cœur, depuis que Jésus habite dans mon cœur, depuis que Jésus habite dans mon cœur, j'ai la paix et la joie. Quel bonheur, depuis que Jésus habite dans mon cœur. Depuis que Jésus habite dans mon cœur, j'ai la paix et la joie. Depuis que Jésus habite dans mon cœur, Jésus habite dans mon cœur, j'ai la paix et la joie.
Même les hommes de la mort ne peuvent pas m'effrayer depuis que Jésus habite dans mon cœur. Ô Jérusalem en haut, comme ta lumière brille merveilleusement pour moi depuis que Jésus habite dans mon cœur. Témoigner cela depuis que Jésus habite dans votre cœur. Vous avez la joie. Le Seigneur nous bénisse. Et je voudrais demander au frère Cher de lire la parole. L'introduction. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais saluer tous, particulièrement nos amis de l'Italie. Je voudrais vous saluer et soyez bénis parmi nous par la parole que nous entendons aujourd'hui. Et je voudrais dire sur le cantique que nous avons entendu, du cantique 250, la deuxième strophe, sur le rocher du salut. Mon âme se repose. Nous pouvons dire, il y a un rocher, c'est la parole de Dieu, un rocher qui ne s'ébranle pas. Je regarde joyeux au jour de son retour. Nous sommes des étrangers dans ce monde, des pèlerins. Nous regardons en haut, où ce sera la gloire. Nous nous réjouissons. Pour ce jour où le Seigneur reviendra prendre les siens. Toutes les maladies, toutes les détresses seront ôtées de nous. Nous pouvons nous réjouir dans le Seigneur. Le Seigneur est parmi nous. Le Seigneur est présent et il aide chacun qui met sa confiance en lui. Nous voulons aujourd'hui, avant la prière, le psaume 97. Je voudrais que nous puissions nous lever.
Die Himmel verkündeten seine Gerechtigkeit. Und alle Völker sahen seine Herrlichkeit. Schämen müssen sich alle verehrt eines Götterbildes. Psalm 97. Fallt vor ihm nieder, alle Götter. Zion hörte es und freute sich, und es frohlockten die Töchter nieder, wegen deiner Gerichte. Denn du, Herr, bist der Höchste über der ganzen Welt. Toi, tu es le Dieu très haut sur toute la terre. Tu es élevé au-dessus des. Verset 5. Les montagnes se fondent comme la cire devant l'Éternel, devant le Seigneur de toute la terre. Les cieux publient sa justice et tous les peuples voient sa gloire. Ils sont confus de tous ceux qui servent les images, qui se font gloire des idoles. Tous les dieux se prosternent devant lui. Sion l'entend et se réjouit. Les filles de Juda sont dans l'allégresse à cause de tes jugements. Ô Éternel, car toi, Éternel, tu es le très haut sur toute la terre. Tu as souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Nous avons lu ici, fléchissez-vous devant lui tous, et chaque genou se fléchira devant lui. Ils tomberont devant la grandeur de Dieu. Et nous verrons la gloire de Dieu. C'est pour cette raison qu'il est écrit, réjouissez-vous, vous justes du Seigneur. Nous voulons prier ensemble. Nous avons encore une requête. Une sœur qui maintenant est à l'hôpital. Nous voulons aussi penser à elle et prier pour elle. Père Céleste, nous te remercions pour ta parole merveilleuse. Nous te remercions pour ta grâce, pour ton amour et ta fidélité qui nous a apporté ici. Bénis ton serviteur qui apportera ta parole. Bénis tous ceux qui sont en ligne et qui écoutent, Seigneur. Accorde-nous ta bénédiction cet après-midi. Parle par ton esprit à nos cœurs, fortifie et affermis notre foi. Prends tout entre tes mains. Aussi, cette requête de notre sœur, nous voulons te la porter. Tu connais toutes les difficultés, les épreuves, les faiblesses. Tu connais chaque douleur. Tu es celui qui a vaincu, qui a dit c'est accompli. Cette victoire de Golgotha est aussi notre victoire. Et cette victoire a été invoquée aussi sur notre sœur, toi qui es tout puissant et qui es présent. Qu'elle puisse avoir une rencontre avec toi et qu'elle puisse ressentir que tu la secours. Et que tu es présent là où elle est. Nous te le demandons dans ton merveilleux, glorieux nom de Jésus. Bénis cet après-midi et sois parmi nous et bénis-nous. Nous te disons merci dans le précieux nom de Jésus. Amen. Chantons, tu es digne.
Nous disons tous amen à cela. Vous pouvez vous asseoir. Soyez très fraternellement les bienvenus au nom de notre Seigneur. Et comme déjà dit, tous ceux qui sont en ligne, que tous, dans toutes les langues, dans le monde entier, soient bénis. Ça, c'est notre prière. Nous nous réjouissons de ce que la rencontre de jeunes a eu lieu de manière internationale. Et comme le frère Miskis l'a dit, il y avait vraiment de l'harmonie et de grandes bénédictions liées à tous nos jeunes et pour tous ceux qui ont pris part à cette rencontre. Aujourd'hui, nous avons le frère Étienne Genton ici. S'il a dans son cœur, il pourrait aussi dire quelques paroles. Je lui ai dit cela tout à l'heure. Nous avons aussi notre frère Helmut Miskis ici, qui aussi pourrait dire quelque chose. Si vous l'avez dans le cœur, venez, dites-nous quelques paroles. Est-ce que le frère Jean Lambert est ici aujourd'hui? Est-ce que le frère Jean Lambert est ici? Oui. Que Dieu te bénisse. Frère Jean Lambert. Et le frère Tati de Bruxelles est le meilleur traducteur de l'anglais en français. Et les deux étaient avec moi à Abidjan, en Côte d'Ivoire, où nous avons eu des réunions bénies. Plus de 7000 personnes vinrent pour écouter la parole du Seigneur. C'était très puissant. Et aussi l'interview à la télévision a duré une heure. J'avais eu la liberté de dire de tout mon cœur ce qui est à dire. Et nous sommes très, très reconnaissants au Seigneur pour l'ouverture de tous les cœurs et de toutes les possibilités que nous avons maintenant. Aujourd'hui, avant que nous disions quelque chose, je voudrais un peu relater les années passées. Pendant les années de frère Branham, je recevais chaque prédication qu'il tenait envoyée dans ce format, toutes les prédications, chaque prédication que frère Branham a tenue m'était envoyée. Et il y a eu un temps où les prédications, une seule prédication, donc, ont été enregistrées sur cassette. Et maintenant, j'ai toutes les 1200 prédications ici, dans cet appareil. Donc, une ici et ici, 1200 ici. Nous sommes reconnaissants à Dieu le Seigneur aussi pour cette possibilité que nous avons de maintenant ne pas avoir besoin de transmettre le message à pied ou bien par des voyages. Vous savez, j'ai eu toute ma vie à faire seulement qu'à voyager. Et dans la lettre circulaire, je l'ai écrite. Seulement, il y a 20 ans, de janvier 93 jusqu'à décembre 2013, j'ai entrepris 1,044 000 kilomètres en vol. 6,044 000 kilomètres en vol.
de vol. De 2014 jusqu'à maintenant, en 2014 jusqu'à septembre 2015, plus de 2000 voyages et toujours en chemin pour prêcher la parole merveilleuse de Dieu et ainsi porter le dernier message jusqu'aux extrémités de la terre. Et vous savez, notre thème est le retour de Jésus-Christ. L'appel à sortir, la préparation pour le jour glorieux de son retour. Et vous attendez sûrement que je dise quelque chose concernant le dernier dimanche d'août. Seulement pour résumer brièvement, le frère Perry Gluin était l'un des meilleurs amis de frère Branham. En 1965, il a déménagé du Texas en Arizona, au Texas, Arizona, et les croyants qui suivaient frère Branham, il les a rassemblés et là-bas, il a fondé une église. Et le frère Branham a tenu à Tucson avec frère Green la dernière prédication ensemble. Et ils ont tenu aussi ensemble le repas, le souper du Seigneur. Et j'ai connu frère Green lors de l'ensevelissement de frère Branham. Je l'ai rencontré et je l'ai appelé, je l'ai invité à venir en Europe. Et beaucoup de nous, n'est-ce pas, à la fin des années 60 et au commencement des années 70, l'ont entendu. Et c'était dans mon cœur de prendre part à son ensevelissement, car dans les dernières années, nous avons fait que parler l'un l'autre par téléphone. Il ne pouvait plus voyager. Il avait un appareil pour respirer et ne pouvait plus prendre de vol. Et c'était une douleur pour lui. Il a répété en disant, frère Frank, je viendrai volontiers, mais ce n'est plus possible pour moi. Ils ne me permettent plus de prendre un avion. Mais j'avais dans le cœur d'entreprendre ce voyage à Chicago et ensuite de Chicago par le Texas en Arizona le dimanche dans l'église. On m'a demandé de dire certaines choses, quelques mots, mais lors de l'ensevelissement, il n'y avait qu'une seule personne qui avait parlé. Et c'était un ensevelissement comme je ne l'ai jamais vu de moi-même. À peu près 2300 personnes étaient rassemblées. Et la plus grande cathédrale de la ville avait été louée avec des chaises comme dans un stade. Et il s'agissait seulement de frère Green. Et il s'agissait toujours seulement de frère Green. Et les gens se tenaient de nouveau debout et ont applaudi et se sont rassis. Un tel ensevelissement de toute ma vie. Je n'ai jamais vu cela de toute ma vie. Mais comme les choses sont, j'ai éprouvé mon amour fraternel. J'ai visité la sœur Green et ses trois filles et les parents et les frères et sœurs que j'ai rencontrés. Je leur ai souhaité les riches bénédictions de Dieu de tout mon cœur. Et tout le reste, nous devons le laisser entre les mains de Dieu. Mais ça, je veux vous le dire, la grâce que Dieu nous a accordée de rester dans l'équilibre, dans la parole de Dieu.
et de prêcher Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur, et de lui donner à lui seul la première place, et de faire de lui le centre de notre prédication. C'est une grâce inexprimable que Dieu nous a faite dans notre temps. La plupart ont réellement prêché un homme et ils ont fait de Frère Branham le sujet de leur prédication et ce qu'il a dit sur les sept tonnerres, sur les différents sujets. Ils en ont fait leurs enseignements et je dois vraiment poser la question. Moi, je dois poser la question, que dit la Bible sur ce sujet que tous prêchent en insistant? Je veux savoir, moi, ce que dit la Bible sur le troisième pull. Rien du tout. Qu'est-ce que la Bible dit sur la tente, la mission de la tente? Rien du tout. Qu'est-ce que la Bible dit sur tous ces différents sujets qui sont des spécialités parmi ceux qui se réfèrent à Frère Branham? Ce qui appartient au ministère de Frère Branham a été accompli dans son ministère. Et son ministère est achevé. Et si notre frère et aussi d'autres étaient de cette conviction que Frère Branham, avant le retour du Seigneur, ressusciterait et pour achever son ministère, ça c'était leur espérance. Ils ont même su quel devoir ils allaient eux-mêmes avoir dans la mission de la tente. Laissez-moi vous dire cela encore. C'est une grâce inexprimable que Dieu nous a faite de prêcher que la parole de Dieu. Et tout ce qui appartient au ministère de Frère Branham, appartenant au ministère de Frère Branham, le laisser là à sa place où il a la place d'être. Et nous pouvons aussi toujours de nouveau remercier le Seigneur pour cela. Et lors de la dernière semaine, le frère Hans Heinrich m'a appelé et il était dans les réunions en Roumanie et disait parmi d'autres choses, frère Frank, si aujourd'hui frère Branham était dans nos réunions, il ôterait le chapeau et il dirait, par la grâce de Dieu, vous avez bien compris ce que j'ai prêché. C'est merveilleux et c'est justement ce que notre Seigneur autrefois a posé comme question. Avez-vous tout bien compris? Et ensuite, il leur a ouvert l'intelligence pour les Écritures. Et là, nous disons aussi encore une fois, si je suis reconnaissant au Seigneur, chaque prédication, trois semaines après qu'elle fut tenue, elle arriva à Krefeld. Et aujourd'hui, pendant tous mes voyages, je peux avoir toutes les prédications avec moi. Je peux toujours de nouveau les écouter et m'approfondir et remercier de nouveau Dieu de ce qu'il a dans notre génération envoyé son serviteur, le prophète, pour nous ramener à l'église primitive, tel que frère Branham toujours de nouveau l'a dit. Et ça, nous l'avons entendu dans la parole d'introduction en relation avec le cantique qui a été chanté, notre Seigneur est le rocher du salut. Rocher du salut, ouvre-toi pour moi. Ouvre, rocher du salut. Matthieu 16, verset 18. Sur ce rocher, je bâtirai mon église. Pas sur du sable, mais sur ce rocher, je bâtirai mon église. Et maintenant, avant que nous disons quelques paroles de Dieu, je voudrais mentionner ce qui se passe en ce moment sur Terre, que ce soit à New York, que ce soit à l'ONU, ici et là. Nous suivons, n'est-ce pas, les nouvelles et nous voyons réellement l'accomplissement des Écritures de toute manière. Et ensuite,
le titre principal, l'Iran et les Palestiniens, avec Abbas, menace Israël de la détruire entièrement. Et cela fait que continuer de cette manière, même ici, il est dit, sans doute, nous allons exterminer, faire disparaître Israël. Non, et encore une fois, non. Dieu le Seigneur, au dernier moment, interviendra et va détruire les adversaires d'Israël et triompher sur eux. Il y a encore 18 mois, dit-il, pour les négociations de paix. Lisez tous ces titres. Il ne reste que 18 mois pour la fin des négociations. Et bien, mes frères et sœurs, jusqu'à cette nouvelle aussi, que la Russie a placé des chars en Iran et des militaires sont apportés dans cette région. Quand on entend et qu'on lit ces choses dans le journal et qu'on comprend la place de ces choses dans les Saintes Écritures, nous pouvons que dire devant nos yeux, bien-aimés frères et sœurs, la parole de Dieu, les prophéties s'accomplissent aussi maintenant avec tous les problèmes de ceux qui s'enfuient de l'Iran. Je vais vous lire deux versets bibliques pour que vous puissiez savoir que cela est déjà prédit. Que les peuples seront conduits comme les vagues de la mer dans le prophète Ésaïe. Dans le prophète Ésaïe, dans Ésaïe, chapitre 17, ici il est écrit, verset 12 et 13. Ésaïe chapitre 12, verset 12 et 13. Chapitre 17, pardon. Ésaïe chapitre 17, verset 12 et 13. Oh, quelle rumeur de peuples nombreux! Ils mugissent comme mugit la mer. Quel tumulte de nations! Pas seulement un pays, de nations au pluriel. Elles grondent comme grondent les eaux puissantes. Elle gronde comme grondent les eaux puissantes. Les nations grondent partout, grondent comme les grandes eaux. Oui, le verset 13, les nations grondent comme grondent les grandes eaux. Il les menace. Et elle fuit au loin. Bien, mes frères et sœurs, lisons avec cela Luc 21. Luc 21, où le Seigneur a parlé de la fin des temps, dans Luc 21. Et ici, nous avons particulièrement, oui, le verset 25. Luc 21, verset 25. Il y aura des signes dans le ciel, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Ici, nous avons la fin des temps décrite comme elle le serait. Et déjà au verset 24 de Luc 21, nous lisons, ils tomberont sous le tranchant, concernant le peuple d'Israël, ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Quand j'entendais cela avec Damas et avec ce que Poutine en ce moment fait,
C'est comme ça que c'est écrit déjà dans Ésaïe 17, au verset 1. Ésaïe 17, verset 1. Oracle sur Damas. Voici, Damas ne sera plus une ville. Elle ne sera qu'un monceau de ruines. Tout est en train de s'accomplir. Tout est en train de s'accomplir. Nous ne sommes pas seulement au commencement de la fin des temps. Nous sommes arrivés à la fin de la fin des temps. Et ces choses ont été prédites à l'avance. Et elles sont en train de prendre forme et de s'accomplir. Particulièrement quand nous pensons au peuple d'Israël, bien-aimés frères et sœurs, cela reste ainsi. Israël est le peuple élu de Dieu. Et aujourd'hui, déjà dans Néhémie, je l'ai lu. Dieu était avec eux dans la nuée, pendant le jour et la nuit, dans la colonne de feu. Mais ensuite, il est écrit qu'ils ont été désobéissants. Combien de fois nous devons de nouveau le dire en insistant, la désobéissance est quelque chose de grave. Dieu ne peut rien faire avec l'incrédulité et la désobéissance. Il ne peut absolument rien faire. Fini, et là, il a tout cesse avec Dieu. Avec Dieu, nous commençons seulement avec la foi et l'obéissance. La foi et l'obéissance nous lient avec Dieu. Et nous voyons que dans notre temps, tout s'accomplit aussi. Ézéchiel, le chapitre 11, s'accomplit devant nos yeux. Ézéchiel, chapitre 11, ici nous lisons. Versets 17 et 19. C'est pourquoi tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je vous rassemblerai du milieu des peuples. Je vous recueillerai des pays où vous êtes dispersés. Et je vous donnerai la terre d'Israël. Et je vous donnerai la terre d'Israël. Cela s'est accompli dans notre temps. Nous pourrons lire un verset l'un après l'autre. Jusqu'à Ézéchiel, le chapitre Ézéchiel. Chapitre 36, verset 24. Verset 24. Je vous retirerai dans les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Et la belle chose, c'est dans le verset 27. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Et que vous pratiquiez mes voies. Dieu veut faire de nous de tels gens qui vraiment, dans la foi et dans l'obéissance, suivre le chemin du Seigneur. Dans Luc 21, il y a deux versets que nous devrions aussi lire en insistant. Dans Luc 21, ici, ce sont les versets 28. Luc 21, Luc 21, verset 28, ici il est écrit, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes,
parce que votre délivrance approche. C'est ce que le Seigneur a quand ce que le Seigneur si ce que le Seigneur a dit sur la fin des temps s'accomplit. Quand cela s'accomplit, quand vous verrez que ces choses s'accomplissent, alors levez vos têtes parce que vous savez que votre délivrance approche. Et aussi la parabole du figuier, comme c'est écrit dans Osée, le chapitre 9, au verset 10. Mais ici encore, au verset, dans Luc 21, le verset 34. Prenez garde à vous-même. Verset 34, Luc 21, verset 34 maintenant. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les accès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Ici, l'avertissement est fait. Nous qui maintenant croyons, nous devons rester sobres et que nous ne soyons pas en train de boire ou bien de accès de manger et du boire. Et en ce moment, j'écris aussi là-dessus, faire la différence entre les vierges folles et les vierges sages. Et on doit simplement aller jusqu'à Enoch. Et là, il est écrit, Enoch marchait avec Dieu. Et le bon plaisir de Dieu se reposait sur lui. Et il a été enlevé et ne fut plus trouvé sur terre. C'est comme ça que les choses doivent être avec toi et moi maintenant. Que nous puissions dans la foi et dans l'obéissance marcher avec Dieu. Et que le bon plaisir de Dieu puisse se reposer sur nous. Et comme souvent nous avons eu à le dire, pour que son bon plaisir se repose sur nous. Aussi avec notre bien-aimé Sauveur, quand il fut baptisé dans le Jourdain et qu'il fut sorti de l'eau, le ciel s'est ouvert et le Saint-Esprit est descendu et la voix a retenti. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon bon plaisir. Dans le baptême d'eau, nous rendons témoignage de notre Seigneur. Nous confessons au Seigneur. Mais dans le baptême du Saint-Esprit, c'est lui qui nous rend témoignage. Et nous avons besoin des deux. Nous avons besoin des deux. Nous avons besoin de la nouvelle naissance du Saint-Esprit et d'être rempli ensuite du Saint-Esprit. Je ne sais pas si le frère Miskis veut que je le mentionne, mais pour la première fois, le dernier mercredi, il y a quelque chose qui s'est passé qui n'avait jamais arrivé, qui n'était jamais arrivé de toute ma vie. Il y a deux jeunes personnes de l'Hollande qui sont venues mercredi soir à la rue et ils ont exprimé le souhait d'être baptisés. Et alors, il y en a un qui a dit, mais, et ça c'est mon partenaire, c'est mon mari. Et ça, c'est mon partenaire. J'ai dit, quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que c'est ça? Pour de tels gens, d'abord, on doit prier pour votre délivrance, pas pour vous baptiser. D'abord, vous devez vous repentir et expérimenter le pardon et la rédemption et la délivrance. Et ensuite, vous pourrez vous laisser baptiser. Si nous voulons trouver la paix avec Dieu, si nous avons trouvé la paix avec Dieu et que nous avons été délivrés, il est encore écrit que tous ceux, là où hommes et hommes, la Bible dit dans Deutéronome, n'est pas qu'ils sont coupables de mort quand un homme dort avec un homme, comme on dort avec une femme. C'est écrit dans Lévitique 19 et chapitre 20. Et non, baptisés dans l'eau peuvent seulement être des personnes qui ont retrouvé la paix avec Dieu, qui ont été délivrées, qui ont été nées de nouveau et qui ont fait une alliance avec Dieu, qui peuvent faire l'alliance avec l'alliance. L'alliance d'une bonne conscience. Nous ne jugeons pas, nous pouvons faire l'alliance d'une bonne conscience seulement si nous sommes délivrés. Nous ne jugeons pas, mais nous prêchons le plein salut, la pleine délivrance en Jésus-Christ notre Seigneur. Et c'est ainsi que c'est écrit, celui que le Fils libère, il est réellement libre. Et Dieu nous ramène aussi dans le domaine naturel, dans l'ordre de la création et dans l'ordre du salut.
par la grâce de Dieu, nous sommes ramenés. Et celui qui n'est pas d'accord avec ça, qu'il puisse continuer à marcher dans ses propres chemins. Remercions le Seigneur encore une fois pour la grâce de ce que nous ne jugeons personne. Non, nous n'avons pas le droit de le faire. Et nous savons exactement comment est-ce que notre frère Branham aussi s'est référé à Luc 17, toujours de nouveau. Ce sera comme c'était du temps de Sodome et Gomorrhe, quand le Fils de l'homme se révélera. Comment est-ce que c'était au temps de Sodome et de Gomorrhe? Et comme nous l'avions entendu, qu'aux États-Unis, il y a une femme qui a dû être en prison 5 jours parce qu'en tant que mère, elle était mère de la ville, elle a refusé de marier des homosexuels. Qu'est-ce que c'est ça? À cause de ça, elle devait faire la prison. Mais dans quel temps nous vivons-nous? Ce qui est faux est déclaré comme bon, ce qui est bon est déclaré comme faux. Donc que Dieu nous accorde sa grâce de laisser tous ces gens-là en paix. Chacun peut faire ce qu'il fait et laisser ce qu'il veut. Mais ce que Dieu a dit, il a dit en l'adressant à son Église, à son peuple. Toi et moi, avec nous, Dieu a fait une alliance. Nous sommes le peuple de la nouvelle alliance. Et tout ce que Dieu avait à nous dire, il a dit dans sa parole. Tous les autres peuvent croire et ce qu'ils veulent et faire ce qu'ils veulent. Mais cette parole nous concerne. Pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et la volonté de Dieu, elle, est révélée dans la parole de Dieu. C'est dans la Bible que nous pouvons savoir la volonté de Dieu. Et c'est ainsi que nous devons nous attacher en toutes choses que à la parole de Dieu. Maintenant, en ce qui nous concerne, bien mes frères et sœurs, je suis touché et les deux en moi, eux, se sont passés aussi d'abord ce qui se passe aux États-Unis et les différentes directions. Aucun homme peut s'imaginer la douleur. Quand on se réfère à frère Branham et ensuite on exprime ses propres pensées et ses propres doctrines. Et ça, c'est l'une des signes que de tels frères, ceux qui les suivent là, ils les lient à leur personne et à leurs révélations qui sont si importantes pour eux qu'ils disent même qu'ils ne pourront pas être prêts si le Seigneur ne leur révèle pas et qu'ils ne croient pas ce que cette personne-là leur dit. Non. Non, nous croyons ce que l'Écriture dit et nous ne lions pas notre salut à une personne, pas à ce qu'un homme dit, mais à ce que Dieu dit dans sa parole par sa grâce. Et ça, nous l'avons accepté aussi, l'enseignement sur la divinité, sur le baptême d'eau, sur le souper du Seigneur, sur le lavage des pieds, sur l'élection, sur la prédestination. Oui, nous avons, n'est-ce pas, reçu tout ce qui a été prêché concernant déjà la chute de l'homme dans le jardin d'Éden. Nous avons reçu tout et accepté tout. Et cela nous a été révélé par Dieu. Et nous pouvons, je voulais le dire, avec beaucoup de sagesse, le redonner dans la prédication. Pour que les hommes, pour que l'humanité puisse savoir pourquoi est-ce que la rédemption a dû avoir lieu et que le Seigneur a dû venir dans la chair auprès de nous pour payer le prix de notre rédemption par sa grâce et a payé le prix. Et la deuxième chose, c'était justement la chose merveilleuse avec les réunions à Abidjan. Dieu a accordé sa grâce. Et ensuite, je suis allé en Norvège et il y avait une petite réunion, mais puissante. En Norvège, Dieu reçoit ce qui lui revient de plein droit avec tous ceux qui croient et qui reçoivent sa parole révélée avec crainte. C'est à eux que cela est révélé comme le Seigneur nous l'a donné. Et nous pouvons
clair comme un cristal, transmettre ce message, le porter, sans nous détacher. Nous. Et je suis reconnaissant à mon Dieu pour cela. Et tel que Paul l'a dit, je suis reconnaissant à celui qui m'a établi dans son ministère. Cette question m'a... Je me suis posé cette question. Dans quel ministère était Jean-Baptiste ou bien Frère Branham? Pas dans son propre ministère, mais c'était un ministère lié à l'histoire du salut. C'est peut-être la raison qu'il est écrit dans son ministère, faisant référence au Seigneur. Et c'est ainsi que c'est aussi dans notre temps que tout écoute la parole de Dieu. Et nous sommes aussi très, très reconnaissants. Et il faut que cela soit aussi mentionné. Même alors que je prêchais à Abidjan, il y a des hommes qui ont entendu la prédication à Dubaï, dans les pays arabes, en Turquie et partout, qui ont écouté. Quand je prêche ici à Zurich et qu'on m'écoute en Chine, nous sommes heureux et reconnaissants. Mais maintenant, même en Afrique, et les gens pouvaient partout suivre et recevoir ce qui a été prêché. Dans c'était merveilleux. Partout où la parole de Dieu est prêchée, partout elle peut être écoutée dans le monde entier. Même au Soudan, pour la première fois, il y a des croyants au Soudan qui se sont connectés et qui ont écouté la prédication. Dieu appelle de tous les peuples, les langues à sortir. Et aussi ce témoignage, je crois que c'était la dernière fois ou bien avant la dernière fois, je l'ai donné ici. Notre frère à Lahore, au Pakistan, qui a dit, mon grand-père m'a parlé de William Branham. Il était à Bombay dans ses réunions. Mon grand-père, et encore une fois mon grand-père. Et cet homme, Dieu a pu l'utiliser puissamment, qui a été béni si fondamentalement que pour la première fois, d'abord nous avions 23 stations et ensuite 56 stations et maintenant 70 stations. 70 stations écoutent tous les sabbats, tous les samedis à 4 heures d'après-midi, la prédication que le frère Franck a tenue. Dans 70 stations, dans toute la région du Golfe Perse jusqu'à en Nouvelle-Zélande et l'Australie. Je suis reconnaissant de ce que Dieu a pris soin pour ce que le dernier message vraiment atteigne les extrémités de la terre. Revenons rapidement à la partie la plus importante qui nous concerne. En ce qui concerne Israël, très important, et nous sommes reconnaissants à Dieu. Vous savez, mon papa a parlé le juif et nous avons caché des juifs aussi pendant le Troisième Reich. C'était en moi, en nous, ainsi que nous puissions être lié avec Israël. Et Dieu voulant, et si le temps est encore là, nous allons, Dieu voulant, et si Dieu accorde sa grâce, nous allons encore entreprendre un voyage en Israël, ou alors en avril ou en mai, si le Seigneur tarde. Il faut vraiment le dire. Revenons ici à 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Et que tous dans le monde entier soient bénis, car nous avons trouvé grâce devant la face de Dieu. Grâce signifie, comme souvent nous avons eu à le dire, si j'ai trouvé grâce devant toi, donc fais-moi connaître tes voies pour que je puisse savoir en cela que j'ai trouvé grâce devant toi.
si Dieu nous fait savoir ses voies dans ce temps. S'il ne nous avait pas fait savoir ses chemins, nous aurions la preuve que nous n'avons pas trouvé grâce devant lui. Mais parce que nous avons trouvé grâce devant lui, il nous a fait connaître son chemin avec Israël, avec son Église. Et nous pouvons le louer et louer son Saint-Nom. Dieu est fidèle. Jésus-Christ marche encore aujourd'hui parmi les sept chandeliers d'or. Et sa parole est notre lumière à notre sentier. Et ici, il est écrit dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, nous lisons à partir du verset 2. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 2. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ça, nous le savons. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Il sera subit. Le soleil changera, transformera, et la lune aussi. Mais avant que cela arrive, la promesse qui est précieuse pour nous s'accomplira. Devait s'accomplir. Voici, je vous envoie le prophète Élie avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne. Bien-aimés frères et sœurs, pas avec du fanatisme, mais nous le disons en raison de la parole de Dieu. Celui à qui Dieu fait grâce aujourd'hui, il respectera la parole de Dieu et il reconnaîtra qu'elle s'est accomplie dans nos jours et que, avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne, il a envoyé, selon Malachie 3, son serviteur qui devait être précurseur du retour de Christ. Et les deux choses sont écrites dans le verset 3. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais alors suit le verset merveilleux. Et ça, nous le prenons de tout notre cœur, parce que nous nous retrouvons ici. Nous nous retrouvons ici, dans le verset 4. Mais vous, frères, ne soyez pas dans les ténèbres pour que ce jour ne vous surprenne comme un voleur. Non, il ne peut pas nous surprendre, parce que ce qui devait s'accomplir avant ce jour, nous l'avons reconnu et nous avons pris part à cela. Nous l'avons reçu et de tout notre cœur, nous le croyons. Nous croyons ce que Dieu, dans notre temps, a fait. J'ai vu à peu près 100 fois, frère Branham, plus de 100 fois, frère Branham s'est référé de Malachie 3, verset 23, en référence là à son ministère. Il y a des versets où il le fait 50 fois, ou bien 70 fois, ou bien 55 fois, de différentes manières. Il s'est référé à différents événements ou bien en relation avec son ministère. Mais 200 fois, frère Branham a mentionné Malachie 4, verset 5, en relation avec son ministère, parlant de cette promesse du prophète Élie, que le Seigneur lui-même a dit: avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne, je vous enverrai un prophète, Élie. Et c'est ainsi que, par la grâce de Dieu, nous l'avons cru et nous l'avons reçu révélé. L'enseignement des 12 apôtres, le fondement original, authentique, antique, a été de nouveau retrouvé et fondé sur le, et nous sommes de nouveau fondés sur le fondement des apôtres et des prophètes, selon Éphésiens 2, verset 20, où Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Donc, vous, bien-aimés,
vous bien-aimés frères, vous frères, vous sœurs, vous qui êtes connectés, vous qui écoutez cette prédication, nous ne sommes pas dans les ténèbres pour ne pas que ce jour-là nous surprenne. Non, la lumière a paru au temps du soir et dans cette lumière, nous avons la grâce de marcher en pleine, dans la plénitude de la foi, dans la reconnaissance et l'obéissance, nous pouvons suivre notre Seigneur. Donc, ici, bien-aimés frères, il est écrit, mais vous, frères, ne soyez pas dans les ténèbres, ou bien alors en français, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Non, non, que Dieu, le Seigneur, soit remercié. Nous avons reconnu le jour et l'heure, le message et le messager, et nous sommes de tout notre cœur reconnaissants à Dieu de ce que nous avons la grâce de croire, comme le dit les Écritures, et d'avoir part à ce que Dieu fait dans le présent. Ensuite, le deuxième passage en relation avec le retour du Seigneur est dans 2 Pierre, le chapitre 3. Dans 2 Pierre, chapitre 3, au verset 9, encore une fois, cela est dit en insistant. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais ils usent de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Les derniers sont appelés. Les derniers se répandent. Les derniers consacrent leur vie. Et en ce jour, aussi particulièrement, nous sommes reconnaissants pour tous les jeunes, pour tous ceux qui ont pris leur décision pour le Seigneur et qui lui ont consacré leur vie. Et pas seulement qui peuvent chanter « Tout pour Jésus, tout pour Jésus ». C'est ainsi que nous voulons marcher. Mais dans la foi et dans l'obéissance, se tenir, se conduire comme ce cantique est chanté, car le retour de Jésus-Christ reste notre sujet principal. Le Seigneur, comme on l'a lu ici, ne tarde pas pour accomplir la promesse. Représentez-vous la condition de Paul qui a dit que nous ne serons pas tous endormis, mais nous serons changés. Dans 1 Corinthiens 15, représentez-vous la condition de tous ceux qui, il y a 2000 années d'ici, attendaient, n'est-ce pas, le retour du Seigneur Jésus-Christ. Regardez dans notre livre de cantique, la Pentecôte, l'épouse attend déjà depuis longtemps ton retour. Et comme 2000 ans sont passés rapidement, mais l'épouse dans tout a existé dans tous les différents âges. Il y a eu dans les différents âges l'épouse. Et il y avait la promesse qui était valable. Ceux qui vaincront, celui qui vaincra. Cette promesse était valable dans chaque âge. Nous voulons appartenir au troupeau des vainqueurs. Et la foi est la victoire qui a déjà vaincu le monde. Et nous pouvons faire confiance au Seigneur et savoir qu'il rendra les choses bien. Et si ensuite, nous regardons aux dernières 50 années passées, bien mes frères et sœurs, qu'est-ce que je dois dire? Nous avons dans ces années toujours de nouveau, nous nous sommes de nouveau toujours attendus au retour du Seigneur. Même dans les années 70, je ne veux pas entrer dans les détails, mais même alors que le frère des États-Unis prêchait chez nous, et disait, frère Branham a vu un calendrier qui s'est ouvert de lui-même et qui s'est arrêté à l'année 77. Oui. Et il voulait dire par là que 77
avec 77, tout allait à sa fin, comme frère Branham l'a dit 70 fois. Il s'est attendu à l'année 77 et il a dit que tout ce qui lui avait été montré en 33 en juin, que tout cela allait s'accomplir d'ici 77. Ce qu'il a vu s'est accompli. Mais le temps, c'est Dieu qui le détermine. Okay, et aucun homme. Est-ce que vous l'avez appris en tant que les deux dernières choses, frère Branham avait dit, des visions qu'il avait vues en 33, qu'il y aura une voiture qui sera construite, qui sera complètement automatique, dirigée par radar. Et il a vu en vision des gens assis sur une table, comme dans un salon, et puis jouer aux cartes. Et j'ai vu dans l'un de mes magazines, il y a quelqu'un qui va de Munich en Allemagne. C'est la voiture qui le conduit, c'est pas lui qui conduit la voiture. Et il ne fait absolument rien. Et quand on constate ce qui se passe aujourd'hui, je vous dis, frères et sœurs, c'est Dieu qui détermine le temps. Amen. Dieu seul. Amen. Et aucun homme. Et quand cela s'est accompli, je me suis aussi écrit cela ici dans la Bible. C'était pour moi un temps, un jour particulier. Alors que le dimanche, le 18 juillet 1976, alors que tous s'attendaient au retour du Seigneur, je venais de sortir de la maison du tabernacle, du temple, et il y avait un vieil arbre fruitier, et le Seigneur m'a parlé à voix audible. Mon serviteur, va sur le terrain voisin et consacre-moi un cerisier. Et il m'a dit, consacre-moi ce terrain parce que des gens viendront de beaucoup de pays qui auront besoin d'être hébergés. Le 18 juillet 1976. Et depuis ce jour, j'ai exactement su que l'année 77 viendrait et passerait sans que rien ne se passe. Comme ils l'ont attendu, se passe. Donc nous regardons vraiment à toutes ces années en arrière dans lesquelles Dieu a donné des ordres. Et toujours, nous sommes restés dans l'équilibre et dans la parole et dans la volonté de Dieu. C'est lui qui nous a conservés dans l'équilibre, dans sa parole et dans sa volonté. Et c'est ainsi que nous pouvons toujours dire en insistant que Dieu est fidèle. Et ces 50 années passées, imaginez-vous, dans lesquelles le message a atteint le monde entier, a atteint vraiment le monde entier. Où est-ce que vous seriez si le Seigneur était déjà revenu en 77? Où serions-nous aujourd'hui? Que Dieu soit remercié, que Dieu soit remercié. C'est encore le temps de la grâce. Et le jour du Seigneur ne peut pas nous surprendre. Nous avons reconnu le jour et l'heure, le message et le messager. Et nous savons que ce qui se passe maintenant dans le royaume de notre Dieu, c'est la grâce de savoir ce qui se passe dans le royaume de Dieu. Il nous accorde la pleine foi, la pleine obéissance. Et ce qui se passe, c'est que le Seigneur nous a accordé sa grâce pour comprendre tout de la bonne manière, pour comprendre, pour croire tout de la bonne manière et pour mettre les choses à leur place de la bonne manière, que ce soit concernant Israël ou bien les nations. Quoi qui se passe maintenant? Mais pour nous, la chose principale demeure. Le dernier message, l'obéissance, la foi, pour que le bon plaisir de Dieu se repose sur nous. Amen. Plus de propre chemin, plus de propre volonté. Détermine toi-même toutes choses dans ma vie. Amen. Et que Amen. Les paroles puissent retentir à notre égard. Voici mon fils bien-aimé, voici ma fille bien-aimée, en qui j'ai trouvé mon bon plaisir. Amen. Cela est devenu si grand pour moi, aussi alors que j'écrivais des pensées sur les vierges folles et les vierges sages. Bien-aimés frères et sœurs, nous voulons marcher
tout le chemin de Dieu, dans la foi, avec lui. À la fin, au commencement, pardon, tous les 10 étaient vierges. Tous écoutaient le dernier appel et croyaient le dernier message. Tous se sont réveillés et tous ont purifié leur lampe, mais seulement la moitié est allée au festin de noces de l'agneau. Cela me déchire. Quand ensuite, après le verset 9 et 10, après le verset 10, je lis que le Seigneur a dû dire aux vierges folles, arrière de moi, je ne vous connais pas. Au commencement du chapitre, vierge, voici, l'époux vient. Tous se sont levés. Et ensuite, les vierges folles ont entendu, arrière de moi, je ne vous connais pas. Bien-aimés frères et sœurs, laissez-moi de tout mon cœur, au nom du Seigneur, dire, acceptez le message divin et prenez-le au sérieux. Prenez au sérieux ce que Dieu, dans sa parole, nous a nous dire dans la foi. Pour que tout nous soit révélé et que nous restons dans le même pas avec la parole de Dieu et que nous soyons conduits par le Saint-Esprit et qu'il n'y ait pas d'interruption qui ait lieu, mais que nous puissions exactement avoir compris et maintenant, par la grâce de Dieu, voir que ce n'est pas Frère Branham, mais que c'est le message que Dieu lui a donné qui a été le précurseur du retour de Christ. Car la première partie, tous la croient, vierge et folle et sage, croient que Dieu a envoyé son prophète, etc., etc. Mais qu'est-ce qui se passe avec la deuxième partie? 50 années sont passées depuis que Frère Branham a été appelé à la gloire. Que Dieu puisse accorder sa grâce, que nous puissions expérimenter une année de jubilé. Une année de jubilé où chaque vrai croyant peut retourner à sa possession authentique, où les trompettes de Dieu retentissent, où vraiment nous entendons le dernier appel et que nous disons, Seigneur, que le dernier message retentisse comme des trompettes et que j'ai entendu ces trompettes et que j'ai eu la grâce de croire. Encore ces trois versets d'Apocalypse. Vous savez, l'Apocalypse nous est précieuse. Et ici, dans Apocalypse, chapitre 22, et ici, c'est le verset 10, Apocalypse, chapitre 22, verset 10. Et il me dit, ne scelle point les paroles. De la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Car le temps est proche. Aujourd'hui, nous pouvons dire que le temps est devant la porte. Il n'est pas seulement proche, il est très proche. Il est devant la porte. Et ici, au verset 12, nous lisons, voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Ensuite, une parole adressée à nous tous. Bénis ceux qui lavent leurs robes. Afin, bénis ceux qui lavent leurs robes. Afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Amen. Et d'entrer par les portes dans la ville. Ensuite, dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres
et quiconque aime et pratique le mensonge. Yeah. Et maintenant, suis le verset qui me touche particulièrement le cœur, le verset 16. Apocalypse 22, verset 16. Et particulièrement le verset 17. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et maintenant, suis la parole adressée à nous tous. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prendre, prenne, et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Écrivons-nous dans notre cœur le verset 14. Bénis ceux qui lavent leur robe. Amen. Amen. Habillés de blanc, sans tache, sans rides. C'est ainsi que nous rencontrerons le Seigneur. Lave-moi dans le sang de Jésus. Dans ce fleuve qui purifie. Et dans Ésaïe 1, il est écrit, même si vos péchés sont noirs comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Lavez dans le sang de l'agneau, purifiez et des vêtements blancs. Le Seigneur, par sa grâce, nous a accordé. Pas ta justice ou ma justice, non, mais par l'œuvre accomplie de la rédemption sur la croix à Golgotha. Le sang de l'agneau me purifie. Le sang de l'agneau me purifie. Le dit un cantique et crée toutes choses nouvelles. Crée tout nouveau. Répétons, Dieu a accordé sa grâce, a accordé beaucoup de grâce et de nous donner de reconnaître le jour et l'heure, le message et le messager, et de demeurer sobre et clair dans la tête et dans le cœur, et d'être équilibré dans la prédication du message, dans l'équilibre, demeurer avec la parole, et tous les peuples et les langues reçoivent les prédications, et c'est ainsi que l'Écriture s'accomplit, que l'Évangile du royaume de Dieu sera prêché à toute la création comme un témoignage et la fin viendra. Bien, frères et sœurs, est-ce que vous ne remarquez pas ce que c'est que l'élection et la prédestination? Ce que ça signifie? Des milliards et des milliards méprisent ce que Dieu fait et dit. Et ceux qui aussi ont affaire avec d'autres ont affaire à d'autres communautés, que ce soit par les parents ou bien par les connaissances. Tous savent que Frère Branham a été rejeté. L'enseignement sur la divinité est rejeté. Tous croient à l'enseignement de la Trinité et se laissent baptiser de manière trinitaire. Tous, n'est-ce pas, croient et sont enveloppés du manteau babylonien. Mais l'Église du Dieu vivant est sortie de la captivité babylonienne, a été délivrée de la captivité babylonienne. Et par la grâce de Dieu, nous avons entendu la vérité. Et la vérité nous a rendus libres. Amen. Et nous pouvons remercier le Seigneur. Et c'est ainsi que nous lui dirons merci éternellement. Aussi, on peut mettre les choses à leur place dans le dessein du salut et dans les événements actuels. Et nous pouvons lever nos têtes parce que nous savons que notre délivrance est proche. À lui, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu unique, à lui seul soit l'honneur dans toute l'éternité pour le grand privilège,
pour le grand don de son amour, alléluia, de sa parole, de la rédemption pour tout ce qu'il l'a fait pour nous par sa grâce. Soyez bénis, alléluia, de la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, amen, dans amen, le saint nom, amen, de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons nous lever pour la prière. Nous courbons nos têtes et chantons ce cœur comme si souvent, tel que je suis, sans rien de moi. Si vous, de tout votre cœur, croyez le message de Dieu, dites amen. 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 Que tous puissent l'entendre dans le monde entier. À cet endroit, nous croyons ce que Dieu a promis. Nous croyons ce qu'il nous a accordé. Nous le recevons, nous l'acceptons et remercions le Seigneur pour cela. Aujourd'hui, nous allons remercier pour tout ce que Dieu fait dans toute l'Europe. Aussi, le frère Forestieri a envoyé des salutations et nous saluons tous dans toute l'Italie, aussi à Rome, à Palermo. Nous saluons tous au nom du Seigneur qui écoute en ligne et nous souhaitons à notre bien-aimé frère Étienne Janton, de tout notre cœur, les riches bénédictions de Dieu. Lui qui a consacré sa vie, toute sa vie au Seigneur, et pour servir tous et traduire pour le peuple de Dieu en Italie, et se tient à la disposition de Dieu pour le faire. C'est ainsi que nous prions aussi pour le frère Helmut Miskis. Si Dieu accorde sa grâce, nous, en octobre, pour la première fois, nous serons à l'île appelée Açores. Là-bas, il parle le portugais et nous sommes invités par le chef d'État, donc à ses frais, là-bas, pour prêcher la parole. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu ouvre des portes, Dieu ouvre des cœurs et que le Seigneur fidèle puisse bénir notre bien-aimé frère Miskis d'une manière particulière, qui fait tout le travail dans la langue portugaise, dans tous les pays, et sert le peuple de Dieu. Dieu l'a déjà béni, et il est une bénédiction pour beaucoup, que tous dans le monde entier, qui ont part à la prédication, à la distribution de la nourriture spirituelle, que tous soient bénis du Dieu vivant et qu'ils puissent tous servir dans la fidélité du Seigneur comme cela lui est agréable. Maintenant, nous voulons nous consacrer de manière nouvelle au Seigneur. D'abord, je voudrais demander, est-ce qu'il y a des requêtes particulières parmi nous, aussi auprès des jeunes? Qui que ce soit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Le Seigneur n'a jamais rejeté quelqu'un. Jamais il a dit « reviens demain ». Non. À l'instant même, le Seigneur a sauvé, a pardonné, a guéri, a délivré et a béni. Aujourd'hui, nous avons entendu sa parole, sa voix. Il est présent et il veut sauver, il veut délivrer, il veut guérir et il veut bénir.
pendant que les têtes dans la prière sont courbées et que nous cherchons la relation, le contact avec Dieu. Laissez-moi demander combien sont ici pour lesquels nous devons prier. Lèvez les mains. Que Dieu vous bénisse partout, des mains et des cœurs se sont levés. Et nous remercions le Seigneur pour sa présence. Nous voulons maintenant le faire. Dieu sait ce dont vous avez besoin. Dieu connaît vos détresses. Il sait exactement aussi tous ceux qui sont en ligne, particulièrement au Chili. Que Dieu puisse vous bénir. Oui, partout, qu'il puisse vous bénir. Prions. Bien-aimé Seigneur, ensemble nous t'apportons tous nos frères, toutes nos sœurs. Et nous venons ensemble devant toi et apparaissons devant ton trône de la grâce. Nous croyons que le sang de la nouvelle alliance est encore sur le trône de la grâce. Bien-aimé Seigneur, sauve, délivre, guéris, bénis, confirme ta parole. Bien-aimé Seigneur, je te remercie de ce que ici nous pouvons avoir les réunions. Je te remercie pour tous les frères, pour toutes les sœurs qui viennent une fois par mois pour écouter ta parole. Je te remercie pour tous ceux qui sont en ligne. Oh bien-aimé Seigneur, ils ne sont pas seulement en ligne, connectés. Ils sont aussi connectés à ce que tu fais dans le présent. Ils sont en liaison avec ce que tu fais dans le présent, parmi ton peuple, en accord avec ta parole. Ils prennent part à l'appel à sortir, à la préparation et à la séparation du peuple de Dieu. Je te remercie de tout mon cœur et te demande, appelle toi-même, convoque toi-même une année de jubilé au grand jour de réconciliation, Seigneur, comme cela a eu lieu dans l'Ancien Testament. Que cela ait lieu à la fin de la Nouvelle Alliance. Une année de grâce, que nous puissions tous revenir dans nos possessions divines et expérimenter le rétablissement total de l'Église, du Dieu vivant, et que tu puisses baptisé d'esprit et de feu, et que tu puisses parmi nous confirmer ta parole. Accorde-nous à tous ta grâce d'être revêtus de vêtements blancs, lavés dans le sang de l'agneau et aussi dans le bain de la parole. Les deux, tu nous les as accordés, et nous te remercions pour les deux de tout notre cœur. Bien-aimé Seigneur, je te remets ton troupeau racheté par le sang. Fais grâce. Achève toi-même ton œuvre parmi nous dans nos jours et que nous ayons part entière jusqu'à ton retour. À toi, le Dieu Tout-Puissant, nous disons merci aussi pour cette réunion au Seigneur. Honneur et gloire et louange à toi dans toute l'éternité. Dans le saint nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Qui propose un cantique que nous pouvons chanter aujourd'hui? Le numéro 7. Le numéro 7. Un cantique vraiment béni, richement béni. Nous voulons le chanter de tout notre cœur.
Tout ce qui respire entend ce cantique. Gloire à Jésus. Oui, à Jésus. À Jésus seul. Toi, la couronne de tes enfants. Tu te montres sans te voiler à tous ceux qui croient. Tu marches au milieu des tiens, pour que chacun t'expérimente. Des cœurs, tu nous as rachetés et tu nous as baptisés d'esprit et de feu. Disons amen à ce cantique. Nous demandons au frère Étienne Janton et au frère Mouth Miskis de venir pour la prière. Nous n'avons rien à dire que de remercier le Seigneur
la grâce de Dieu et l'amour de Dieu sont si merveilleux. Et le Seigneur a fait de grandes choses en nous et nous lui devons l'adoration, la louange, l'honneur, la gloire. Nous le faisons maintenant dans la foi. Notre bien-aimé Seigneur et Rédempteur, nos cœurs débordent de joie pour la grâce et la fidélité, pour l'amour que tu nous as prouvé de ce que nous t'appartenons, ton troupeau racheté par le sang, que tu reviens chercher pour le festin de noces de l'agneau. Oh, que nous soyons prêts, que nous soyons revêtus du vêtement blanc et sans tache, sans ride irréprochable, t'attendant. Prépare-nous tous, jeunes et adultes, et que l'appel de grâce retentisse encore. Seigneur, bénis les pieds qui annoncent la paix. Fortifie notre frère, ton serviteur fidèle. Nous te remercions pour cela, de ce que tu nous as tous accordé cette grâce, de vivre maintenant et de voir l'achèvement de ton œuvre. Louange, honneur et gloire soient apportés à ton merveilleux et saint nom de Jésus-Christ. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je te remercie de notre Jésus-Christ, ce que nous pouvons maintenant venir à toi pour te louer, pour tes actes, pour ta grâce, pour tout ce que tu as fait pour nous. Mais nous te remercions aussi pour tout ce que tu fais aujourd'hui, de ce que nous avons la grâce de reconnaître. Ce que tu fais aujourd'hui, nous te louons, nous exaltons pour tout ce que tu as déjà fait et de ce que nous savons que la prochaine chose est devant nous, car tu reviendras bientôt pour nous prendre auprès de toi. Nous pouvons dire Maranatha, le Seigneur revient. Nous te disons merci de ce que nous pouvons attendre, que nos cœurs, nous pouvons te les ouvrir, sachant que tu nous parles. Tu as parlé cet après-midi, Seigneur, et nous te remercions de ce que tu parles avec nous, car ta parole dans notre cœur est bénie. Bénie, frère Franck, accorde-lui de nouvelles forces, jour après jour, pour qu'il puisse prêcher ta parole. Nous te louons, nous te exaltons, nous te disons merci pour ton peuple sur toute la terre, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, partout. Bénis, Seigneur, ton épouse. Elle est appelée de tous les peuples et nations de toute la terre. Nous te remercions de ce que nous pouvons croire, comme ta parole le dit, que nous n'avons pas besoin de dévier, de regarder à droite, à gauche, mais de regarder seulement à toi et de marcher avec toi et savoir que ta parole est la vérité. Loué et exalté soit ton Saint-Nom. Nous te remercions, Seigneur, de ce que cet après-midi tu nous as parlé et que tu nous as richement béni. Loué et exalté sois-tu. Nous t'apportons à toi seul l'honneur dans le Saint-Nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu fidèle, nous te remercions pour ce jour. Je te remercie de ce que nous avons la grâce d'écouter ta parole révélée et de la croire. Croire que tu nous as parlé et que tu as ouvert nos cœurs. Nous te remercions pour cela, de ce que nous avons la grâce d'être présents quand tu reviendras. Que nous soyons prêts, chacun individuellement. Tu sais ce dont nous avons besoin encore. Aide-nous et fais-nous grâce. Je te remercie pour frère Franck, je te remercie pour tous les frères dans le ministère, sur toute la terre, Seigneur, qui prêchent ta parole révélée pour ce temps et qui traduisent pour que le dernier puisse l'entendre. Fais grâce et conduis-nous tous à repartir à la maison dans la bénédiction jusqu'à que nous puissions nous revoir partout où nous sommes, que nous soyons avec toi jusqu'à que tu reviennes. Nous te remercions pour cela et nous te louons, nous t'exaltons. Amen. Amen. Bien-aimé Seigneur, ensemble nous te remercions encore une fois de tout notre cœur.
et de toute notre âme, de ce que nous ne sommes pas restés dans les ténèbres, mais que nous marchons dans la lumière de ta parole. Ta parole révélée est une lumière sur notre sentier. Et c'est ta grâce, ô Seigneur, dans la foi, je revendique tous ceux qui maintenant écoutent ta parole, la reçoivent, l'acceptent et qui reconnaissent le ministère et croient l'envoi de ton serviteur le prophète. Et on part à ce que tu fais dans le présent. Et que nos vêtements soient lavés dans le sang de l'agneau. Et que tous nous soyons prêts à ta rencontre. Quand tu reviendras comme époux pour prendre les siens auprès de toi. Bénis tous nos frères qui traduisent, qui sont occupés à la traduction. Bénis particulièrement le frère. Bénis tous. Bénis partout. Bénis. Nous te remettons ton œuvre. Et nous te remercions de ce que tu rendras toutes choses bien. Et que nous passerons tous de la foi à la vue. Tes promesses, en ce qui concerne ton retour, nous les croyons de tout notre cœur. Et que le message de ton retour, nous le croyons de tout notre cœur. Et nous te demandons encore, bénis dans tous les peuples, les langues et les nations. Et cela s'accomplit. L'esprit et l'époux disent, viens. Et que ceux qui l'entendent disent, viens. Et celles qui furent prêtes peuvent entrer au festin des noces de l'agneau. Bien-aimé Seigneur, je te suis tellement reconnaissant dans le sein de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il y a un cœur, soyez prêts à vous tenir devant lui. Vous le connaissez tous? Soyez prêts à vous tenir devant lui et à voir sa gloire. Amen. C'est ainsi. Toutes les promesses de Dieu sont oui et sont amen. Comme déjà dit, pensez à nous. Si, quand nous entreprendrons ce voyage pour la première fois en octobre dans cette île portugaise et prêcher là-bas la parole, nous avons tous les vols de nuit derrière nous qui sont difficiles. Mais que le Seigneur soit remercié, il accorde quotidiennement de nouvelles forces. Maintenant, saluez-vous tous et souhaitez-vous les riches bénédictions de Dieu. Amen. Jusqu'à la prochaine fois.